Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous. Même si dans cette vidéo, nous ne ferons pas d'Elite Dangerous. Comme vous l'avez sans doute appris dans la précédente vidéo, je vais euh, préparer un petit euh, voyage de euh, récolte de matériaux pour les ingénieurs. Et donc, pour ça, j'ai préparé quelques sites internet. Donc, je vais vous présenter maintenant. J'espère qu'ils fonctionneront parfaitement bien quand je vais cliquer dans la fenêtre. C'est bon. Ok, apparemment, c'est bon. Bon. Ici nous avons inara.cz dont j'ai déjà parlé avec tous les blueprints de la galaxie, c'est-à-dire tout ce que font les ingénieurs. Ici nous avons euh, eddb.io qui est dans sa page bodies, hein, donc ça c'est encore autre chose, on verra euh, une autre fois. Ici c'est euh, les commodités, donc là c'est parce que je suis sur une communauté de base. Euh, hop, je vais juste cliquer sur commodités, voilà, et on est bon. Ok, donc on a pu voir, chers amis, dans la précédente euh, vidéo que nous devions par exemple du sélénium alors le sélénium c'est facile vous faites contrôle f sélénium il me le trouve pas c'est cool ça commencerait très mal euh, pourquoi tu me trouves pas le sélénium alors normalement le sélénium c'est quelque chose que l'on trouve sur les planètes mais forcément il n'est pas disponible ici. Donc, c'est le seul véritable problème qu'on va avoir, chers amis, ça va être la traduction. Donc, on va aller voir. Donc, au niveau des multicanons, j'aurais dû noter le reste. On va ouvrir tout ça. Crac. Et donc, là, vous pouvez voir que j'ai accès à tous les plans, les différents plans. Mais surtout pas à ce que je sais. Donc. Ah si le sélénium, il est là. Alors peut-être, peut-être qu'ici, en fait, il ne me donne pas toutes les. D'accord, ça c'est que ce qui s'achète. Ok, pourquoi pas. Donc si je vais ici, voilà, je peux trouver du sélénium. Voilà, parfait. Donc dans bodies, on peut trouver du sélénium. Euh, moi, je suis.

si je trie normalement, s'il veut bien trier, voilà. Je peux trouver par exemple dans Wolf397, sur la planète Trustmady, du sélénium, euh, en quantité par contre qui est extrêmement pauvre 2,2%. Alors est-ce qu'on a plus On peut monter jusqu'à 5%. Donc vous voyez que c'est assez rare. Le sélénium, comment je suis censé le trouver Donc je retourne ici, je regarde sur Sélénium, Missions Reward. Donc voilà, où est-ce que je suis censé pouvoir trouver du sélénium Bon, par contre, le sélénium n'a pas l'air extrêmement rentable à l'heure actuelle. Donc c'est un problème. Euh, alliage précipité. Alors alliage précipité... Euh, ça va plutôt être dans commodité. Mmh. Le problème c'est quel nom ils vont donner à l'alliage précipité. Machinerie, légale drogue. C'est pas une drogue, non, c'est pas une drogue, c'est pas une drogue. Chimique. Hmm. Salvage non, slavery non, technologie non. Euh, C'est le problème en fait. Le problème, le véritable problème qu'on va avoir, chers amis, ça va être de trouver tout ce qui, euh, tout simplement, est euh, comment dire. Ce serait bien ça, hein. non, ce serait pas ça. Tout ce qui est euh, traduction, tout simplement. Sinon, c'est pas grave. Euh, en soi, ce n'est pas très très grave. Précipité d'aloïse, c'est bien ça pourtant. Hein. Euh, donc, si je fais précipi. Non, il oh. n'y en a pas ici. Alors, qu'est-ce que c'est -ce que ce bordel? Comment je suis censé le trouver Comment suis-je censé le trouver Ship salvage, missions reward. Donc les vaisseaux de, les oui, les vaisseaux de type militaire et d'autorité. Donc c'est ce qui est plutôt moins, plus ou moins marqué sur le truc déjà. Hein. Mais bon. Donc il faudrait que j'aille plus ou moins combattre. Donc ça, ça m'emmerde. Faut être honnête, ça m'emmerde. Puisque. Euh... C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Hmm. Bon, Il m'en faudrait qu'un, mais je pense qu'il va être dur à trouver. Honnêtement, je pense qu'il va être très très dur à trouver. Hmm. Ça va être compliqué. Euh, ok pour ça. Euh, Tin. Alors je pense que ça va être dans les dans les. Euh, non ça c'est les systèmes pardon. C'est ici. Tin. Voilà, l'étain. Toujours autour de 397. Hop. Le plus proche, c'est à 10 années-lumière. Et on en trouve vraiment en très très rare quantité. Hein. Est... Le plus, c'est à 18 000 années-lumière. On peut trouver avec une très très rare quantité encore une fois. À 180 années-lumière, d'accord alors, juste pour vous montrer, normalement le zinc c'est très facile à trouver. Pardon, vous pourriez normalement vous en rendre compte assez rapidement. 12% c'est bien plus facile à trouver. Euh, ok, donc euh, ça c'est très très bien. La précipitants on a fait le technétium. Je sais pas si c'est là-dedans. Oh là non. Technétium, ça, ça doit être rare aussi, hein. ça doit être sympa. 1,7% maximum. Donc vous regardez où est-ce qu'est le maximum et vous regardez au plus près où est-ce que vous tenez. Par exemple là, si vous pouvez atteindre les 1,5% quelque part, ce serait cool. Page 2. Et vous voyez que c'est pas le cas du tout. On n'atteint pas non plus les 1% à moins de 40 années-lumière. À moins d'un saut. Donc pour l'instant, ça va encore. On est à un saut, hein, mais... Crac. Alors je sais pas si je peux... Euh... Non, je ne peux pas euh, déjà dire, voilà, entre ça et ça. Tant pis. Donc on va avancer encore un peu. Ah par exemple ici, vous voyez, on atteint à 50 années-lumière 1,3%. Ça peut être le plus intéressant, donc à 50 années-lumière c'est à deux sauts. Donc ça peut aller très très vite. Mais ça reste extrêmement rare. Donc voilà pour le technétium. Ce qui ne me tente pas du tout, proto-alliages. Les proto-alliages, je crois qu'on les trouvera plutôt ici. Proto.. Non, apparemment non. Euh, pourquoi Parce qu'ils doivent pas être en mesure de s'acheter, j'imagine. Les proto-alliages se trouvent donc sur... pa, 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 pa... proto alliage léger. Quand on se. Dans les zones de haute émission. Donc les zones dangereuses en fait, les zones où il y a des gros chiffres. High grade emissions. D'accord. Ok. Bon bah on va avoir du salvage à faire. Hein. Missions reward aussi. D'accord. Ok, donc voilà comment on peut potentiellement trouver, euh, chers amis, euh, les différents composants. Je vais récapituler. Donc, premièrement, vous vérifiez les composants qu'il vous faut dans le jeu. Pourquoi Par exemple, on a pu voir que pour euh, ça, c'est quoi C'est Overcharge. Voilà, rapide à On n'a pas besoin à l'heure actuelle dans le jeu de Power Transfer Bus. Donc pour ça, c'est pour ça qu'il faut absolument. Donc normalement, la plupart du temps, c'est vous enlever la commodité de base. La plupart du temps. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois de vérifier. Euh, parce que certaines communautés, je crois qu'elles sont transformées en micromatériaux aussi maintenant. Euh, bref. Euh, vous vérifiez à chaque fois le euh, plan dans le jeu. Nécessaire, obligatoire, etc. etc., etc. Vous, vous allez sur Inara, vous retrouvez le nom en anglais. Une fois que vous avez le nom en anglais, vous cherchez sur eddb.io, donc inara.cz. Galaxy Blueprint, Inara euh, edb.io et vous allez dans Commodités ou euh, dans Bodies. Bodies permet en fait, de trouver les matériaux sur les différentes planètes. Vous rentrez le matériau en anglais ici. Vous mettez dans référence système votre euh, lieu sur lequel vous êtes actuellement. Pour vous rapprocher, vous cliquez sur ref pour avoir cette petite flèche qui monte vers le haut pour dire que le plus haut c'est euh, le plus petit et le plus bas c'est le plus loin, donc le plus éloigné. Et ici vous pouvez voir avec le, le comment l'abréviation le, du comment du, euh, du matériau euh, la quantité, le pourcentage présent sur la planète. Donc attention c'est sur la planète, hein, c'est pas... ça veut pas dire que vous avez une chance sur 4 d'en trouver dans un caillou. Ça veut dire que. Enfin, ça vous avez, vous avez 0,400% de chance d'en trouver dans un caillou. C'est surtout que ça veut dire en fait que. Sur la planète en question, il est présent en termes de 0,4%. Voilà. <laughs> euh, cet extra-attribut, qu'est-ce qu'on a ici Edge of euh, Peut-être qu'il serait intéressant de voir... Sans doute... Dans la surface pressure aussi. Il me semble que ça avait un impact. Mais on l'a pas, vous voyez, donc sur la plupart, on l'a pas. Donc, pas d'intérêt. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être voir d'autre Les températures aussi, normalement les températures dépendent aussi des matériaux. Mais le problème c'est que ça, ça doit déjà être calculé dans la présence, euh, dans, le, dans le TC. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc voilà comment je vous conseillerais de faire. Si vous avez d'autres astuces à me donner, chers amis, moi je pourrais les retransmettre. Quitte à refaire une vidéo dessus, c'est pas grave. Voilà comment je pourrais vous indiquer comment euh, correctement chercher les différents matériaux. On a pu voir qu'on est assez dans la merde, nous, techniquement. Moi je vais tout noter ça sur un notepad. Et puis on se retrouvera donc dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. en tout cas. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et on retourne dans le vaisseau. Hop play. Salut